Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnifo. C'est la fin de cette journée de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est dimanche, on a un match RDC Madagascar, Algérie-Guinée. Donc, Madagascar a gagné RDC, tir au but. Donc, Madagascar se qualifie pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, première participation, première qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, bravo aux Malgaches qui ont mérité la victoire parce que Madagascar, vraiment, ils jouent un grand football. Donc ils jouent au football, ils font circuler la balle, donc et ils jouent avec le cœur. Donc nous avons des bagages, des déroutants et ils ont été récompensés parce que ils ont marqué de très beaux buts, mais aussi ils ont bien tiré les pénalties. Donc ils ont battu la RDC au pénalty. Avant ça, donc après cela, donc qui Algérie aussi, il a confirmé. Algérie m'ont vraiment propre. Donc 4 matchs, 4 victoires, rien à dire. Des matchs propres, des matchs intenses, des matchs tactiques, des matchs techniques. Donc Algérie m'ont vraiment. Pour moi, actuellement, ils sont donc les favoris du point de vue jeu, du point de vue tactique, du point de vue intensité. Algérie, donc ils sont bien décidés à aller jusqu'au bout de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que ils ont allié technique, tactique et donc réalisme et efficacité. Montage du Dordogne, 3 buts à 0 avec des buts de Belaïli, de Riyad Mahrez et de Arab Ounas. Arab Ounas remplaçant, il a marqué 3 buts. Il est co-meilleur buteur actuellement avec Sadio Mané, Ojon Igalo et donc Cédric Bakambu. Donc ça, c'est pour dire que l'Algérie est bien parti pour aller jusqu'au bout donc de la Coupe d'Afrique des Nations face à Belmadi. Vraiment, il a bien travaillé. Algérie, Boudjoké, il se base sur la qualité technique de les attaquants. Mais actuellement, il y a une rigueur défensive et aussi une fin de gagner, une fin de vaincre. Donc, dans l'autre Algérie, actuellement, ils sont redoutables et ils font partie carrément des favoris de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il y a un favori d'Anoun, mais Algérie était d'Anoun. Donc, Algérie a été l'exception à la règle. Donc, Algérie gagne la Guinée, logiquement, 3 buts à 0. Donc, la Guinée n'a pas démérité. La Guinée a joué avec ses moyens, mais la Guinée a buté sur plus fort qu'elle, c'est-à-dire l'équipe nationale d'Algérie, les Fennec d'Algérie de Djamel Belmadi. Donc, Algérie qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Algérie, quand elle est souvent, il y aura à 16h Mali-Côte d'Ivoire dans un derby ouest-africain. Donc, pour gagner, il Algérie gagne derrière. Donc, Madagascar, quand elle est Ghana-Tunisie, ça sera à 19h. Donc, les Black Stars du Ghana face aux aigles de Carthage dans les Gires. Donc Tunisie, Ghana, 19h lundi. Donc, journée d'hierna, mais t'as aussi Lyon, nous donne entraînement. Donc, t'as Lyon entraîné sans deux éléments, Alfred Ndiaye et Mbaïna. Donc, Mbaïna, il a fait un coup face à l'Ouganda, il a suivi l'entraînement, mais il n'a pas participé parce que l'entraînement n'est pas intention. Actuellement, Alice Moui travaille l'intensité physique, donc l'agressivité, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, le coup physique, donc gagné. Et Alfred Ndiaye aussi, Belegui, donc il n'a pas donc recouvert donc, de sa blessure. Donc, il roule carrément, donc blessure en monde, il contracte face à l'Algérie, Montar Tay, donc je roule Tay, il a donc regardé l'entraînement du banc, donc il est resté à carreau. Donc, mais il y a 20 joueurs du DCP, donc ils ont participé à l'entraînement. Et j'espère que avec ce groupe, donc l'équipe nationale du Sénégal pourra faire de très bonnes choses face au Bénin. Donc, l'autre information, donc Coupe du Monde 2019 féminin, États-Unis gagne pour la 4e fois. États-Unis mot d'or 2 buts à 0. Donc, États-Unis, Pays-Bas, ligne d'or 2 buts à 0. Et les États-Unis, donc les Américaines, s'imposent donc en Coupe du Monde pour la 4e fois. Donc, États-Unis, Dieni gagne 4 fois la Coupe du Monde. Donc, beaucoup de gens ont gagné. Mais du point de vue football féminin, les États-Unis donc sont maîtres au monde, sont maîtresses. Les États-Unis sont maîtresses au monde parce que Dieni, les États-Unis sont maîtresses au monde en 2019. Donc, États-Unis gagne 4 fois. Voilà, c'était les informations que vous avez proposées en cette soirée de dimanche de football de Coupe d'Afrique des Nations. Donc Algérie-Madagascar, les qualifiés du jour pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Domo Gaye Ndiaye, Warul Tite, Warul Ragal. Si vous voulez vous mettre maillot 5 ou maillot flocage, donc tapez-les sur le numéro B, numéro WhatsApp là, 77 404 9601. Donc numéro WhatsApp là, vous pouvez contacter sur 77 404 9601. Après, vous avez une commande. Si vous êtes au Sénégal, donc vous pouvez vous livrer. Si vous êtes au Europe, vous pouvez vous diaspora, vous pouvez vous livrer par GP ou par la poste, vous pouvez vous donner un moyen pour livrer les commandes. En tout cas, tous les moyens de livraison sont disponibles pour vous donner un maillot. 77 404 9601.